Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va faire les soldes. On va faire les soldes, les gars, ça commence, ça y est. Les soldes en France ont été décalés au 20 janvier et on refera peut-être une vidéo d'ailleurs, une petite sélection ou quoi, on va voir. Mais en attendant, on a déjà droit aux soldes de Palace et de Supreme. Ça fait plaisir. Donc dans cette vidéo, vous allez voir en quelque sorte un double live cop, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller faire les soldes chez Palace et ensuite chez Supreme. Et puis voilà quoi, on va voir si je vais craquer pour des dingueries ou si il y aura que de la merde. C'est fort possible aussi, je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je pense que le concept est clair et que vous l'avez compris. Si vous kiffez, les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. Appelez ça comme vous voulez, comme d'habitude ça fera très plaisir. Allez, je vous propose d'attaquer sans plus attendre. On va claquer du bif les gars, si tout se passe bien. Ou si tout se passe pas bien aussi d'ailleurs, si ça se trouve je vais acheter n'importe quoi. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Let's go. Ok les gars, j'espère que vous êtes tous ici. Bonjour, bonjour, 1, 2, 2, 3, 3. Ok, nous sommes le vendredi 8 janvier à 11h49. Je vous explique rapidement la situation. Hier midi, je pensais que les soldes suprêmes allaient commencer. L'idée étant de faire une vidéo sur les soldes suprêmes et Palace. Sans pression, on prend son temps pour regarder si les pièces nous plaisent, c'est le but. Le problème étant que hier, donc le jour du drop sur Suprême à midi, comme d'habitude, les soldes ne sont pas apparus sur le site de Suprême. Ceci étant dit, comme vous pouvez le voir, on est vendredi à 11h49 et donc un nouveau drop Palace aura bien lieu à midi, puisqu'on a la page juste avant les drops, entre 11 et 12, pour ceux qui connaissent. Allez, il est 11h52 et du coup, je vais vous montrer un petit peu les pièces qui sont expected to drop. Oula, j'ai craché sur la caméra. Expected to drop, c'est-à-dire qui sont susceptibles de tomber aujourd'hui. Donc comme d'habitude, SLN officiel, news, Palace. On va se dépêcher parce que j'ai que 7 minutes. Là, tout de suite, qu'est-ce qui me saute aux yeux? En vrai, pas grand-chose, à part peut-être ce t-shirt. J'aime bien la typo un peu délire médiéval. 48$, donc ça sera logiquement un peu moins. Le seul petit problème, c'est que j'ai eu des échos en parlant des prix, j'en profite, sur le Brexit, et comme quoi en ce moment avec Palace, il y avait des frais en plus. Donc j'ai un peu peur de ça, je vous avoue, ça sera peut-être la surprise. Donc ouais, pourquoi pas ce t-shirt? Ça, c'est pas trop mal, mais franchement, je le prendrai pas, je pense. Là, le truc avec la poire, là, gros, non, quoi. Hein? Franchement, non. Ça, pas terrible, pas terrible. Le bob, là, encore du roi. J'ai une tête énorme, moi, donc ça rentre pas, les bobs comme ça. Là, c'est pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Alors ça, j'aime bien, là. Pas trop mal, même si ça fait un peu sataniste sur les bords. En vrai, c'est délire. Attention, ça ne veut pas dire que je fricote avec le diable, ne mélangez pas tout. Ouais, puis après, d'autres petits articles qui peuvent être sympas, franchement. Voilà, des pièces assez classiques, globalement. Rien de transcendant, en vrai, peut-être un petit t-shirt, là. Peut-être le petit t-shirt d'en haut. 11h57, donc nous revoilà sur la page d'accueil de Palace et on va attendre les 3 dernières petites minutes. Je pense qu'il y aura un onglet solde dédié. Allez, 11h59, je vais un petit peu décaler la light. Désolé si vous voyez un tout. Petit peu moins ma gueule parce que sinon je vais rien voir à l'écran, ça serait un peu dommage. Oh putain. Ok, effectivement un onglet sale, donc on clique tout de suite dessus. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, les réductions sont pas mal. Ok, ok, vraiment pas mal du tout là. Je vais regarder un petit peu tout ce qui me saute aux yeux. Il y a pas mal de trucs. Oh la vache, il y a full truc, putain. Incroyable, mais attendez, ils ont mis des trucs d'ancienne collection et tout là. Ah, oh, ça tue. Mais ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Ça va être compliqué de rien acheter là, je vais pas vous mentir. Ok, il y a pas le t-shirt médiéval, c'est dommage. Je vais regarder ce que j'ai cliqué, je remonte encore un petit coup pour être sûr que j'ai rien raté. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, on va voir après le reste. Non, en fait, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Non, ça. Oh, ça c'est délire, je trouve. Je sais pas quelle couleur, ça c'est trop cher quand même. Ça c'est dégueulasse, enfin je le porterai pas. Ça non, ça non. C'est un pull comme ça, tu vois ce que je veux dire? Un pull un peu tricoté là. C'est vachement cool ça en ce moment, j'adore franchement. Ok, c'est un délire un peu spé, un peu cheap comme ça d'apparence, mais franchement je le trouve délire. Est-ce que je prends plutôt un truc couleur chère comme ça ou celui-là? Je sais pas, en tout cas la veste c'est pareil, elle est pas très très chère. Hein. À choisir, je pense que je prendrais la navy là, la veste navy. J'aime bien le délire sur les manches un peu beauf tribal là comme ça. Par contre, j'ai vraiment un doute sur le colorway quoi. Medium, medium, les gars, ça me prend une petite veste, hein. J'en ai donné une ce matin, donc ça tombe bien. Et puis le pull, j'en ai jamais assez. Voilà. Mon petit craquage, ça fait quoi? Ça fait 184 livres, ça doit faire à peu près 210€ plus les frais de port. Je pense que j'ai pas besoin de me précipiter, mais dans le doute, on va quand même essayer d'avancer un petit peu. J'espère juste que les taxes seront pas trop hard. Et en plus, shipping gratuit, les gars, shipping gratuit, mais c'est génial. Soit c'est à cause des taxes, soit c'est parce que j'ai dépassé un certain prix. Encore une bonne surprise, ça économise 10 livres, donc à peu près 12-13€, je pense. Let's go, c'est lancé, c'est cliqué. Your order's being processed. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que j'aurais fait ma commande? Et oui, les gars! Et je suis trop content, putain! Ça m'a permis de découvrir des articles sur lesquels j'aurais même pas posé les yeux, et franchement ça fait plaisir parce que ben en vrai c'est tellement atypique et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas l'aimer, mais voilà, la typo elle est énervée et le motif un peu tribal comme ça sur les manches en plus, enfin ça va être vraiment vraiment cool je pense. Je suis content, voilà. Ceci dit, j'aurais jamais payé le prix neuf, ça c'est clair, et du coup ben pour la veste peut-être en vrai, même si c'est pas un coup de cœur, du coup vous voyez c'est une pièce très discrète en vrai, encore une fois elle est belle, hein, elle est belle avec les deux grosses poches là, c'est vraiment le truc qui m'a fait décider. Commande confirmée pour Palace, c'est plié, et pour Supreme ben on se retrouve d'ici peu pour voir si je vais aussi craquer ou pas. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content, bordel. Bon, du coup, là, comme prévu, on va enchaîner sur Supreme et il va se passer quelque chose d'assez drôle que j'ai compris, du coup, quelques jours plus tard. C'est pour ça que j'ajoute ça au montage. Je laisse tout comme c'était et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et un peu plus tard dans la vidéo, j'ajouterai une autre séquence comme celle-ci pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, moi, je vous laisse découvrir ça. Rigolez bien. Et nous revoilà pour le drop Supreme puisque nous sommes le jeudi 14 janvier et logiquement, les soldes vont avoir lieu maintenant. Je l'espère, hein, puisque jeudi dernier à la même heure, j'étais déjà en train de tourner une vidéo que j'ai supprimée, du coup. Elles ont été décalées dans le temps à cause du Covid, je crois. Donc, logiquement, ça devrait tomber maintenant. Étant donné que si je ne m'abuse, ils vont sortir une paire de Nike Supreme en même temps là.
qui est éclaté. Vraiment, j'ai pas compris, je vais vous montrer ça tout de suite. Très franchement, je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, perso, c'est pas mon délire, hein. Je sais pas si y en a qui vont l'acheter. Je pense que oui, quand même. En rouge, elle est vraiment atroce. En noir, à la limite, bah, ça fait un peu peur de bottes ou de chaussures de sécurité ou quoi. Enfin, en tout cas, je lâcherai pas 190 balles pour ça. Ceci dit, si tout se passe bien, on va avoir les soldes comme prévu. Et voici les articles que l'on pourrait avoir. Même si, comme pour Palace, je pense qu'il y aura des trucs qui n'y seront pas et des trucs qui y seront en plus. Mais ça donne un petit aperçu de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, tout d'abord, un petit hoodie noir, portrait hoodie. Il est plutôt cool en vrai. Pas non plus transcendant, mais je pense que c'est pas le pire des articles, hein, clairement. Ensuite, une petite varsity jacket. Perso, j'aime pas du tout. Hein. Vraiment, les moches de ouf. Wayne Stopper, donc là, c'est une petite veste. Bah, Wayne Stopper, du coup, suprême. Bon, pareil. Hein. Pas trop mon délire camo comme ça. Ça fait longtemps que j'aime plus trop. Le sac, la banane et la sacoche waterproof. Encore une fois, je l'avais dit au début de la saison. Je suis pas spécialement fan. Hein. Ensuite, deux hoodies là et un ici qui sont franchement visiblement pas incroyables non plus. Hein. Voilà, je suis pas très très optimiste, les gars, sur ce drop, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de cool là, plus sérieusement, plutôt que de descendre tout ce qu'on voit. Velvet work jacket avec des carreaux là. Bon, ouais, pourquoi pas. Wouah, c'est cher de ouf par contre, même si bon du coup ça sera en solde hein, logiquement. Velvet ça veut dire quoi? Velours, ok, c'est bien ce qui me semblait. Ce que moi j'avais repéré c'était vaguement ce petit polo là en velours qui est sympa. Même si le coloris je suis pas méga fan, ça peut se négocier. 118$ de base, je pense que ça sera un petit peu moins cher. Supreme Vanson en cuir là, alors là les gars n'importe quoi, hein, c'est hors de question. Ça c'est pas trop mal aussi là, le stripe velours half zip pullover. Les couleurs sont spé, un petit peu dans le même style que ça du coup. Ça c'est pas mal en vrai, la cargo veste. Sachant qu'en fait là il y a pas tous les coloris, hein, je pense. Logiquement il y en aura au moins deux. Ça pourrait changer un petit peu de ma veste marché noir et je crois qu'il y a des coloris qui sont plus jolis que ça d'ailleurs. Veste en manche à carreaux avec des poches un peu tactiques comme ça, connais le délire maintenant, mais franchement ça marche plutôt bien. Après là c'est cher hein, pour le moment, donc à voir le prix si ça y est. Pour l'instant bah ça fait pas un grand listing d'articles non plus hein, je suis beaucoup moins hypé qu'avec Palace bizarrement. Ça arrive, hein. 11h52, et que du coup le drop a lieu dans 8 minutes. Du coup, bah comme d'hab, on va se préparer, même si je pense que comme pour Palace, il n'y aura pas besoin de rusher grand chose. Hein. On va prendre son temps, on va checker un petit peu les tailles, etc. Fin des spéculations, on attend midi, on se retrouve à 59 comme d'habitude. A tout de suite. Voilà, let's go. Ok, il est 11h59, coucou. On est sur le site du coup, et il va falloir faire du F5 je pense pour actualiser la page dans son entièreté et avoir le nouvel onglet, si tout se passe bien. C'est parti pour actualiser un petit peu à droite, à gauche, comme ça, et comme ça. Pardon. Ah, online shop update. Alors, ils ont mis leur pompe dégueulasse, là. Mais, j'ai pas l'impression que si je vais dans View Hall, attends. Mais c'est pas en solde, hein. Putain, c'est pas vrai que c'est pas maintenant encore, là. Genre, ça fait trois fois que j'essaie de tourner cette vidéo, bordel de merde. Ok, les gars, il est midi 6 et j'ai bien fait de rester devant l'ordi. Tout simplement parce que les soldes sont apparus entre-temps, donc je n'ai pas encore eu le temps de découvrir ça. Mais on va s'empresser de le faire, hein, avant que ça soit trop tard. Et du coup, comme prévu, on a, certains articles, hein. Pas tout. Cette veste, elle était pas trop mal, je l'avais vu en shop, ça allait, même si bon, c'est spé quand même. Je vais mettre la chemise avec. Petite veste sans manches unies, ça peut être rigolo aussi, mais alors très franchement, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose, les gars. Bon, c'est beaucoup moins la fête que chez Palace, hein, les gars, putain. Quoi? Mais c'est pas en solde, là. Et pourquoi c'est... Attends, c'est pas les prix soldés, ça? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde, j'en ai marre. Attendez, les gars, là, y a un petit souci, y a un petit couac, là. Peut-être qu'ils sont en galère, hein, je sais pas, ils doivent être en train d'upload les trucs, mais les prix ne sont pas barrés, là. Les prix ne sont pas barrés. 168, c'est pas... Allez, on est d'accord, c'est le prix d'un hoodie, ça. Vous avez pas baissé les prix? Vous avez oublié un petit détail, juste? C'est cool de mettre l'onglet, mais... Bon, écoutez, bah, je crois que je vais devoir attendre encore quelques... Ah, prix soldé 88€. Ok, là, ça devient intéressant, par contre. Putain, c'est presque moitié prix, hein. En vrai, c'est 40... je pense 40%, un truc comme ça. Elle est pas dégueu, hein. Elle est pas dégueu, la petite veste, hein, les gars. Hein. Ça me fait de l'œil, hein. Bon, du coup, ça y est, c'est actualisé, je pense. Ouais, ils ont mis les prix soldés. Et ils sont vraiment à la traîne, hein. Tu m'étonnes qu'on galère sur leur vieux drop, là. Ah, les bâtards. Enfin, moi, je trouvais ça pas trop mal. Après, vraiment, le motif dessus, il est hardcore, hein. Des espèces de chaînes de partout là, je me vois pas porter ça, c'est juste pas possible, donc je pense qu'on va laisser tomber. Ça peut se mettre dans le panier, hein. Je vais pas vous mentir, je l'ajoute. Du coup la chemise elle est à 82, ça reste beaucoup trop cher, tant qu'à faire je préférais la veste, puis de toute façon ça fait vraiment vieux mafioso là. Je trouve que ça passe en vrai, hein. C'est un délire, mais c'est quand même trop, c'est quand même trop. Ça à 66€, ça rien d'exceptionnel par rapport à celui-là qui est un petit peu plus sympa, je trouve, tant qu'à faire. Donc laissons l'autre pour l'instant, ça non, hein. C'est absolument moche. Ça c'est... Alors, pourri quoi, genre j'ai pas les mots, je sais même plus quoi, quel adjectif donner là, c'est chiant. Faut que je redouble de créativité pour dire à quel point c'est éclaté leur drop là. Elle est toute mignonne la petite veste sans manche là. Et j'en ai qu'une seule donc je pense que ça pourrait faire le taf pour remplacer le truc. Et les gars je vais passer à l'action si c'est encore dispo hein. Est-ce qu'il y aurait pas des conneries que je pourrais rajouter là? Les stickers là ils sont à bon 14€. Peut-être que je pourrais m'ajouter un petit paquet de rouge. Cool, tout est encore dispo, prix soldé. Vraiment ça fait un petit 100€ là. Ouais ça fait plaisir, ça fera un petit article en plus avec les post-it. Let's go. Du coup France. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas mettre la France là? What the fuck putain. Ah bah elle est plus dispo MDR la veste. Oh la vache. Je m'en fous, je vais laisser tout ça dans cette vidéo, je vais laisser tout ça. J'aurais pas eu ma veste. Mais pourquoi quand la veste n'est plus dans mon panier, je peux commander là? Ah mais les soldes sont peut-être que dispo en Angleterre.
Ok, du coup, me revoilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai découvert pourquoi je n'ai pas pu commander en France entre-temps. C'est tout con en fait, et j'aurais pu y penser moi-même, mais franchement, je pensais pas que ça partirait aussi loin. C'est pas pour le Brexit, c'est pas pour quoi que ce soit d'autre, c'est tout simplement parce que les soldes commencent le 20 et pas avant, c'est interdit. Si ça se trouve, à partir du 20, on pourra peut-être le faire, mais bon, déjà que les articles n'étaient pas ouf, je pense que à ce moment-là, il y aura plus grand-chose. Voilà, je l'ai su juste après, malheureusement, encore une fois, mais bon, au moins, ça rend la chose plutôt drôle. J'espère que vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Ça fait chier, quelle vidéo. Je suis désolé pour cette partie suprême. C'était très spécial. Écoutez, au moins, vous avez vécu ça avec moi. Peut-être que ça vous plaira. Peut-être que ça aurait été nul à chier, c'est pas grave. J'aurais même fait d'aller en boutique, ouais, c'est ça depuis le début. Écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, on se retrouve pour une petite conclusion pour cette vidéo, hein. Et comme ça. Et ma foi, c'est pas grave. Hein, on va faire avec ce qu'on a. On fera une petite vidéo cool quand même. Il y avait de l'ambiance, au moins, il y avait de l'ambiance, ça c'est sûr. Allez, ne bougez pas. C'est parti. Allez, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. C'était plutôt chaotique, ma foi, hein. Je sais pas trop quoi penser de cette vidéo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai passé des bons moments comme d'habitude. Que ce soit chez Palace, en claquant un peu de thunes, évidemment, avec des beaux articles. Et chez Suprême, c'était un peu n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Petite déception, mais en vrai, c'est pas grave, hein, au moins ça m'a évité de claquer 100 balles. Et juste what the fuck total, quoi, comme on dit. Il fallait que je partage ça, j'ai failli me dire, vas-y, on arrête tout, ça saoule. Mais en fait, c'est rigolo, si ça se trouve, c'est arrivé à d'autres gens. C'est pas la première fois qu'il m'arrive des galères et que je les partage avec vous, que ce soit pour des live cop ou par exemple pour les Air Force One Stussy, c'est n'importe quoi. Et j'aime bien en parler, j'aime bien montrer ça, et comme ça, il y a de la compassion, tu vois. Vous êtes là et vous vous sentez pas tout seul, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, c'était un plaisir. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça bouge pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux, très important. Et sur Twitch, depuis peu, même si je n'ai pas encore fait de live, ça va venir très bientôt, je pense. La routine TV et pas YT, les gars, attention. Voilà, vous pouvez venir me suivre et on va très certainement s'envoyer des grosses games très bientôt. Un peu à l'arrache, mais je pense que ça peut être marrant. Parenthèse fermée. Comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine et en l'occurrence à très bientôt, promis. Portez-vous bien, prenez soin de vous.